Alors ici, nous sommes dans une ancienne fruitière qui date de 1818. Donc elle a fonctionné près de 180 ans parce qu'elle a fermé en 77. Mais aujourd'hui, c'est un musée. Ça intéresse les gens de savoir comment on faisait le comté avant parce que tout était moins motorisé, automatisé, etc. On est ici dans un condensé de la Franche-Comté sur 15 hectares. C'est un musée de plein air qui regroupe une trentaine d'édifices. Il y a plein de maisons comtoises différentes en fait, selon la région, la micro-région de laquelle elle provient. Dans cet endroit, il n'y avait rien, c'était un champ. Les maisons qu'il y a ici ne sont pas des répliques, elles ont été entièrement démontées. Donc on a pris des relevés, fait des photographies, fait des plans, numéroté, démonté les matériaux, transporté ici. On a ensuite remonté les maisons à l'identique. Alors l'idée du parcours dans ce musée, c'est de donner l'impression que les gens viennent de sortir de chez eux. Donc on va retrouver au fil des maisons, qui vont être chacune muséographiées selon une époque bien précise, du 18e siècle aux années 1950, on va voir l'évolution des modes de vie dans le milieu rural en Franche-Comté. Le musée s'adresse vraiment à tous les publics. On a bien sûr les plus anciens qui parfois vont se rappeler certains éléments de leur jeunesse. Les enfants vont adorer voir les animaux par exemple. On a différents ateliers pédagogiques qui vont pouvoir fabriquer des choses. Normalement au musée tout le monde y trouve son compte.